Bonjour, c'est Patricia d'Ambrin Liberté. Si vous êtes comme moi et que vous profitez de ce mois de mai particulièrement doux pour planter vos légumes en pleine terre, vous savez que c'est à ce stade que nos jeunes plants sont les plus vulnérables face aux attaques de nos amis les gastéropodes. Cela fait 2 ans que j'utilise des barrières de sable et je dois dire que c'est très efficace. Cette année, je vais innover. L'automne dernier, nous avons ramassé de belles châtaignes, mais pas que. Nous avons également trouvé quantité de bogues que nous avons conservées tout l'hiver au sous-sol et dont je vais me servir pour protéger mes légumes. Les bogues ont séché, mais elles sont toujours aussi piquantes. Je les dispose à touche-touche autour de chaque plant et elles forment une vraie muraille infranchissable pour les limaces et les escargots. Bien évidemment, il faut expliquer aux enfants de ne pas toucher ces petits hérissons végétaux. Et j'espère que les chats de la maison feront un grand détour pour ne pas se piquer. Dès que les plants seront suffisamment grands, je les enlèverai. J'espère que cette petite astuce pourra vous servir. À bientôt. Ciao. There's no going back, 'cause you're already there, you're already everywhere. You're already there, you're already everywhere.